Depuis que j'ai filmé la vidéo où je vous parle de Dune, le premier tome, alors j'ai beaucoup lu, mais j'ai eu très peu le temps pour filmer. J'ai même pas filmé du tout, du coup je me retrouve avec un nombre de lectures assez conséquentes dont je dois vous parler, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes trois derniers coups de cœur que j'ai eus, parce qu'en ce moment c'est plutôt une bonne période de lecture pour moi, et j'avoue que j'ai fait des lectures qui, je pense, seront mes meilleures lectures de cette année 2021. D'ailleurs, d'avance, je vous recommande totalement de foncer sur les quatre livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, il y a trois coups de cœur et il y a un livre que j'ai calé ici parce que c'est une très bonne lecture et je ne savais pas où le mettre dans une autre vidéo. Donc, bref, je commence tout de suite. Ah ouais, je me rends compte quand même que ça date pas mal parce que ce livre, je l'ai lu il y a 2 mois. Il me fallait une lecture très très courte pour les transports. J'aime bien prendre souvent des courts romans. D'ailleurs, c'est là que je lis tous les Amélie Nothomb, notamment. Et là, j'ai décidé de me lancer sur un livre que j'ai trouvé chez Emmaüs, que je vous avais déjà présenté dans un book haul. Je n'en savais rien du tout. Et puis, il était hyper court. D'ailleurs, je l'ai lu en une journée. C'est Le nageur dans la mer secrète de William Coatswinkle. C'est un livre pas très vieux non plus, mais qui date, qu'on n'a pas beaucoup vu passer, que les éditions Actes Sud ont publié. Alors c'est un livre qui a été édité en 1994, je crois. Et déjà, une chose, bah, c'est une petite pépite. Je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas un peu plus vu passer quand même, parce que c'est un court récit, certes, mais je trouve qu'il est magnifique. Il est très très bien fait. Dans Le nageur dans la mer secrète, on suit un couple, un homme et une femme, qui attendent leur premier enfant. Donc le début va très très vite. Ils se rendent à la maternité car ils habitent au fin fond de la forêt. Et donc ils se rendent à la maternité un jour. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous dis juste que c'est un récit très émouvant, assez tragique. Bon, du coup ça fait beaucoup de pistes. C'est une histoire toute simple qui parle d'une chose en particulier. C'est dur de ne pas spoiler parce que ça fait 100 pages et c'est extrêmement court. D'ailleurs, le confort de lecture est très très présent. Pas si on voit, mais il y a beaucoup de marge, c'est écrit très très gros et les chapitres sont assez courts, donc en fait c'est même pas un roman. Je crois que la nouvelle prend place autour d'une seule intrigue, alors que la novella, il y a plusieurs intrigues ou plusieurs histoires où on suit plusieurs personnages. Ici, on suit vraiment que le couple et tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils endurent. C'est un récit magnifique. La plume est très simple, très abordable, je veux dire, mais par contre, elle est extrêmement poétique dans sa simplicité. C'est ça qui est très beau, je trouve, dans ce récit, c'est que on n'a pas vraiment d'envolée lyrique, on n'a pas vraiment d'émotions extrêmes, mais par contre, tout se fait dans la simplicité, l'acceptation. C'est doux et en même temps, c'est tragique, donc assez dur émotionnellement. Et la plume de l'auteur aide à ça aussi. Juste nous livrer une histoire toute simple, mais très très bouleversante. Et je vous avoue que oui, j'ai pleuré à la fin du roman. Il y a un aspect très, je sais pas, poétique dans la nature. Il y a une grande description de la nature aussi à la fin notamment. Et tout ça m'a submergé en fait. Et j'ai pas vraiment les mots. C'est une expérience, ça dure 100 pages. Je crois que vous pouvez l'acheter. Je sais pas s'il est encore disponible neuf, je crois pas. Mais on peut l'acheter en e-book et je vous le conseille vraiment. Si vous tombez dessus un jour, foncez dessus et lisez-le d'une traite aussi. Je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai mis juste une pause au milieu, mais à lire en une journée, quoi. Et surtout, à ne pas lire si vous n'êtes pas dans un bon mood, parce que c'est dur, mais c'est magnifique. D'ailleurs, William Coatswinkle, maintenant, j'ai hâte de lire ses autres romans. Apparemment, c'était un peu en écart, ce nageur dans la mer secrète. C'est pas ce qu'il fait d'habitude. Il a plus tendance à faire du policier, de ce que j'ai compris. J'ai hâte de découvrir ça sous la perspective d'autres de ses œuvres. Voilà. Ensuite, j'ai lu Tous les feux le feu de Julio Cortázar. J'avais trop hâte de le découvrir, ce recueil de nouvelles. Et du coup, je l'ai fait un peu durer dans le temps. Il n'y a que 8 nouvelles dans ce recueil. Il en fait 200 pages. Et oui, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'avais trop hâte de découvrir cet auteur et je sentais que ça allait matcher entre lui et moi, et bah, sans surprise, ça a été un énorme coup de cœur. Déjà, dans Tous les feux le feu, il y a 8 nouvelles et je trouve qu'il n'y a aucune mauvaise nouvelle.
Enfin, mauvaise histoire, pas mauvaise nouvelle dans le sens. Ok. J'ai passé 8 excellents moments. Alors, évidemment, il y a des histoires qui m'ont plus plu de par leur thématique et par les sujets qu'ils abordaient. Pour moi, le gros, gros coup de cœur de ce recueil, bah déjà, c'est la plume de l'auteur, tout simplement. Je sens que je vais adorer tout ce qu'il a écrit parce que c'est une plume très particulière, empreinte de réalisme magique parfois. Il y a un fil rouge dans ce recueil, c'est l'aspect tragique de la fin de chaque nouvelle. Et ensuite, pour ce qui est de la plume vraiment de l'auteur, ouais, il y a un côté réalisme magique, très flou au départ, beaucoup de succession, apparemment, c'est vraiment sa marque de fabrique, de succession dans les points de vue sans que ce soit marqué. Par exemple, on peut passer d'une ligne à l'autre avec un point de vue qui change sur différents personnages. Et c'est déstabilisant, donc à chaque fois, au début de la nouvelle, on est un peu perdu et on s'y habitue, notamment par exemple dans Mademoiselle Cora, qui est l'histoire d'une infirmière qui s'occupe d'un petit garçon, et il y a sa mère aussi qui vient rendre visite au petit garçon. Et en fait, il y a ces trois points de vue qui sont échangés, et aussi d'autres personnages après, mais en tout cas au début, on a les trois points de vue qui sont passés comme ça, de ligne en ligne, limite. Et du coup, on n'a pas à chaque fois les repères, et donc c'est très très flou, et ça participe aussi à cette ambiance énigmatique, étrange. Et ça, j'ai adoré vraiment. Moi, le fait d'être perdu, ça m'a beaucoup plu. On a aussi ça dans la nouvelle principale, Tous les feux le feu, où on suit parallèlement un combat de gladiateurs dans l'Antiquité. Ouais, je crois que c'est dans l'Antiquité. Et aussi une histoire d'adultère entre un homme et deux femmes, donc. Qui se passe de nos jours. On suit parallèlement ça jusqu'à la fin, qui est une fin plutôt à chute. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai adoré toutes ces nouvelles parce que elles sont toutes très originales, je trouve. Elles ont une saveur particulière. En plus, on a plusieurs niveaux de lecture à certains moments. Par exemple, L'île à midi, qui est l'histoire d'un steward qui décide d'aller vivre sur une île qu'il n'arrête pas de voir à chaque voyage qu'il fait entre deux destinations. Alors je ne sais plus, ça, il doit partir des États-Unis et arriver en Chine, je crois. Et donc à chaque fois, il voit une île dans l'océan Pacifique, il se dit qu'il aimerait bien y vivre, et donc il part y vivre, et il se passe quelque chose à la fin de la nouvelle, et la fin de la nouvelle apporte, je trouve, plusieurs niveaux de lecture, plusieurs compréhensions au niveau du texte, et je pense que c'est aussi des nouvelles qui doivent être hyper intéressante à étudier. C'est vraiment une plume très riche et des histoires qui sont ultra originales. Donc j'ai énormément aimé. Et si je dois vous parler de mon plus gros coup de cœur sur ce recueil, bah, c'est la première nouvelle, L'autoroute du Sud, où on suit tout un groupe de personnages dans un embouteillage au sud de Paris, en fait, qui dure sur plusieurs jours. Et donc, ces personnages vont organiser des micro-sociétés et on va les suivre. Et il va y avoir un peu une ambiance post-apocalyptique qui est très très cool. Et à la fin de la nouvelle, bon, il se passe quelque chose et je sais pas, c'était très émouvant. J'ai beaucoup apprécié l'originalité du texte, le côté farfelu de l'histoire. Il y a plein de petites choses qui ont fait que bah, j'ai reçu une immense claque avec ce recueil. J'ai adoré découvrir la plume de cet auteur, les histoires de cet auteur, et j'ai qu'une hâte, bah, c'est foncer sur le reste de ses récits. J'ai déjà pas mal de ses autres recueils de nouvelles à lire. Je ne sais pas ce que ça donne sur la longueur d'un roman, parce que je sais qu'il a fait beaucoup de romans aussi. J'ai trop trop hâte d'enchaîner en fait sur un autre. Comme prévu, j'ai pas réussi à vous dire tout ce que j'ai adoré dans ce recueil, dans chacune des histoires, dans chacun des détails, dans la plume de l'auteur, mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le tenter. Et de voir aussi si vous êtes réceptif à sa plume, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. On n'est pas dans le côté très très barré de Haruki Murakami, par exemple dans Kafka sur le rivage, où là c'est quelque chose de très très poussé au niveau du réalisme magique. Là c'est par point, c'est par petite dose et c'est très bien mesuré et chacune des histoires est fantastique. Bref, je vous le recommande énormément. Et donc le dernier coup de cœur que j'ai eu dernièrement, c'est Station 11 de Emily St. John Mandel. Waouh! Quelle claque! Alors, je vous l'ai un peu présenté dans ma vidéo. Alors, c'était quoi?
Oui, le 5 Star Challenge, où je choisissais 5 livres et j'anticipais un peu mes coups de cœur. Et donc j'avais choisi ce livre, c'est le cas, totalement. Et plus encore parce que je ne m'attendais pas du tout à ce type d'histoire. Dans le résumé, on nous dit qu'en fait, on va suivre un groupe de musiciens et d'acteurs, une troupe itinérante qui parcourt toute la région du lac Michigan, en jouant du Shakespeare et du Beethoven dans un monde post-apocalyptique. Et donc, je sais pas, moi, en commençant cette lecture, j'ai eu peur qu'on tourne autour de ça et que le récit soit très très lent, très posé et donc un peu long, parce qu'il fait quand même un peu moins de 500 pages. Et donc j'avais peur de ça. Je me suis dit, ça peut être un coup de cœur si la plume est très très poétique ou si l'auteur fait carrément autre chose. Je dirais qu'on est plutôt sur un roman choral et j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que c'est un roman que j'ai adoré découvrir comme ça. Et c'est un roman qui, je trouve, toute sa puissance est faite là-dessus, est basée sur l'aspect choral, l'aspect où on suit plusieurs personnages à différentes époques sur le monde post-apocalyptique où on suit la troupe itinérante aussi, et dans le passé, avant, juste avant le virus ou bien avant. Et donc on a plein de flashbacks, plein d'histoires qui s'entremêlent, qui se croisent comme ça. Et c'est ce qui fait toute la force du récit, je trouve. Parce que chacun des personnages aussi que l'autrice décrit et nous montre est très attachant. Il y a quand même une force de ce côté-là. Je me suis beaucoup identifié à certains personnages. On apprend aussi à découvrir beaucoup de monde sans que ce soit trop. Des fois, je l'ai mis en pause sur un jour ou deux. Et du coup, le fait de s'y relancer dedans ne m'a pas perdu. Et pourtant, je trouve qu'il y a une quantité assez importante de personnages et chacun d'entre eux a sa personnalité. La comparaison est peut-être pas la bonne, mais ça m'a fait penser un petit peu à la puissance des personnages du Fléau de Stephen King. On est un petit peu dans ce genre de récit, dans cet aspect roman choral, mais ici c'est plus doux, je trouve, et ça tourne autour surtout d'un personnage principal qui est pas forcément celui auquel je m'attendais dès le début du récit. D'ailleurs, je pense que c'est pas celui auquel on s'attend dans le début. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on suit plein de personnages qui ne sont pas forcément les héros. Il y a une histoire de liens qui se tissent, d'histoires qui s'entremêlent, d'histoires qui se recoupent comme ça. Et en plus de ça, la plume d'Emily St. John Mandel, elle est très claire, très fluide et avec des petites envolées poétiques. Si je devais comparer, mais c'est pas du tout le même genre, je dirais que ça ressemble un petit peu à ce que William Coatswinkle a fait dans ce livre. C'est un côté très direct, très simple, en fait, dans l'histoire, et en même temps des personnages touchants, des réflexions poétiques, et aussi on parle beaucoup, beaucoup de l'art dans ce livre, dans toutes ses formes, vraiment. J'ai trouvé que c'était un très bel hommage à l'art, d'ailleurs. On parle du théâtre, on parle du dessin, de la peinture, de la musique, on parle de tout, en fait, on parle de tout l'art. Et c'est pas forcément le sujet principal du roman comme ce que j'avais anticipé, mais ça y prend une place tellement importante que ça vient magnifier un petit peu toute cette histoire de roman choral avec tous les autres personnages. J'ai adoré et je m'attendais pas autant à adorer. Il y a eu des moments où j'étais très ému. J'ai trop trop hâte aussi, pareil, de découvrir les autres romans de l'autrice. Apparemment, encore une fois, c'est un écart un petit peu dans ce qu'elle fait d'habitude. Elle fait plutôt du thriller, roman noir, je ne sais pas trop. Et ici, on est carrément sur du post-apo qui parle de l'art, donc trop trop cool. Mais bah, comme je vous avais dit pour le livre de M de Pink Shepherd, c'est un roman qui est extrêmement original dans le domaine du post-apo. Si on n'a pas envie de lire un énième roman un peu classique où on suit quelques personnages qui essayent de survivre et de comprendre d'où vient le virus ou la chose qui a provoqué ce monde post-apocalyptique, eh bien il faut lire ce livre parce que il est très très intéressant, magnifique, bouleversant. Je vous le recommande. Et pour finir vite fait, je vous parle aussi d'un autre roman que j'ai lu, que je viens de finir en fait. Et comme c'est une bonne lecture avec un petit truc que j'ai à dire, bon, j'ai décidé de la caler ici. Comme ça, c'est un autre roman que je vous recommande. C'est L'invention de Morel d'Al. Alors, c'est Adolfo Bioy Casares,
qui est un auteur argentin, cette fois purement argentin. Je crois que Julio Cortázar est argentin. C'est ça, il est argentin. Il a passé sa jeunesse en Argentine, mais ensuite il a bougé à Paris. Et donc il est très très au courant évidemment de la culture française parce qu'il a vécu à Paris la majorité de sa vie. D'ailleurs, plusieurs de ses nouvelles, je crois, se passent à Paris. Adolfo Bioy Casares est un auteur purement argentin et qui est aussi dans cette mouvance du style de Julio Cortázar. Alors, je ne sais pas qui est le plus vieux entre les deux, mais on retrouve cette espèce de réalisme magique et cette fois plus fantastique que ça l'est dans le recueil de nouvelles Tous les feux le feu. Au début du roman, on suit juste un homme qui est sur une île, qui est perdu. Enfin, on sait qu'il s'est exilé de la patrie d'où il venait parce que il a été jugé. Et pour s'échapper, pour ne pas faire de la prison, il est venu sur l'île directement, sur une île perdue. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une île étrange, c'est ce qu'on lui a dit, qui est constituée donc pas de l'île en elle-même, et d'un musée, d'une piscine, et je crois que c'est une église aussi. Oui, une église. Et voilà, il est sur cette île, il est tout seul, c'est étrange, il sent que c'est étrange, et il y a des arrivants, non, des estivants peut-être qui arrivent sur cette île, et il ne sait pas ce qu'ils font là. Et tout au début du roman, donc pareil, c'est un roman très très court de un peu plus de 100 pages, on est perdu. On est totalement perdu et en même temps, on sent qu'on va avoir des réponses au récit. Et du coup, on est très très intrigué. Enfin, j'ai été très très intrigué par le début. On suit donc cet homme, il sait pas où il est, il tient un journal. Je trouve qu'il y a un très bon début de récit où on ne sait pas ce qui se passe et on a trop envie de le savoir. On émet plein de suppositions, on ne sait pas ce qui se passe. Et à un moment du récit, on a des révélations. Donc il y a cette révélation vers, je sais pas, la page 70, sachant que le roman fait 110 pages. Et donc la révélation est intéressante, un peu fantastique. J'ai pas fait un gros waouh, honnêtement. Et suite à ça, bah, j'ai trouvé que le récit avait un peu perdu de son charme. J'ai eu un peu plus de mal, j'avais envie que ça se termine en fait, que ça se termine avec encore un soupçon d'originalité. Je trouve que le pourquoi du comment est intéressant, mais je crois que j'en attendais un petit peu plus en fait. Et du coup, la fin se termine d'une certaine manière, et j'étais diverti, hein, c'est super cool jusqu'à la fin, mais j'avoue que j'ai été plus hypé par le début que par la révélation et par la chute de cette histoire. J'ai aussi très très envie de découvrir les autres romans de cet auteur. En tout cas, la plume est très particulière, très floue aussi. On ne sait pas trop où on se situe, tout ça, et jusqu'à la fin. Enfin, il y a beaucoup de révélations quand même qui font que ça nous ancre un petit peu plus dans le réel. Et je pense que c'est un petit peu ça qui m'a un peu moins hypé, c'est le côté plus réaliste. Très très belle découverte, et ça a été un beau moment de lecture, mais pas un coup de cœur. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, je vous conseille évidemment de lire ces quatre romans, surtout ces trois-là, mais celui-là aussi est très très bien. J'ai plein d'autres lectures dont il faut que je vous parle. J'hésite même à créer un nouveau format. Je ne sais pas si je le ferai, donc je ne prévois rien. Et voilà, la prochaine vidéo sera centrée, je pense, autour d'un livre. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter surtout. Dites-moi si vous avez déjà lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie de les lire. Ce serait cool. Et moi, je vous dis ciao et à bientôt. À bientôt, oui, à bientôt. Ouais. On se revoit vite. À bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
Au revoir.